Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. La troisième période qui va débuter dans environ un peu moins de 4 minutes, en fait. Alors, 3-2 à la marque ici à Grand Bay, après deux périodes de jeu, donc. Alors, le sommaire du match, donc, en première période, les Panthers ont pris les devants à 3 minutes 7 secondes. C'est Zachary Dano avec son premier de la saison, des passes à Dadazanov et Leonard. Grand Bay a créé l'égalité. C'est Marco Cavalieri qui a été de son sixième de la saison. Imbeau et Béliveau ont réussi à fournir des aides sur ce but. Et deux buts marqués rapidement en 31 secondes, soit celui de Jacob Bruno, son premier. Pagé et Provencher y ont été d'assistance. Et Charles-Antoine Paiement, son septième déjà cette saison. Une passe à Philippe-Olivier Riopel, c'était à 11 minutes 3. Et en deuxième, un seul but, celui de Jérémy Major pour Grand Bay. C'est son troisième. Béliveau et Benoît ont fourni des assistances. 41 lancés par Saint-Jérôme après deux périodes contre 20. Donc, une domination nette de ce côté-là. Les deux gardiens, quand même, qui ont bien fait. Dufour avait eu un petit peu de mal en début de match, mais s'est repris. Et comme en témoigne le nombre de tirs au but, évidemment, il a quand même bien fait. Pour ce qui est des autres matchs qui sont présentés ce soir à l'affiche, eh bien, il y a Gatineau qui domine toujours 2-1 devant Terrebonne. Le Collège français et Saint-Gabriel, c'est maintenant 3-3 en troisième période. Et la Côte-Sud qui pourrait infliger un premier revers en temps réglementaire à Princeville cette saison, puisque à Montmagny, donc, l'Everest domine 5-2. Et ici, évidemment, donc, comme je le disais, c'est 3-2. Alors, les deux équipes qui sont revenues du vestiaire gagnent leurs bancs respectifs. Et on va être prêt à redémarrer le jeu et cette troisième période dans environ une minute. Alors, définitivement que les changements de trio apportés par Bergeron ce soir ont porté fruit. Charles-Antoine Paiement, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans le match, a des ailes pour les Panthères. Et le trio de La Palme, Dano et Bastien a également très bien fait. Alors, voilà qu'on va être prêt à reprendre. Alors, c'est le trio de La Palme qui va revenir sur la mêlée pour les Panthères pour débuter la troisième période. Alors voilà, les officiels qui attendent les dernières secondes au cadran, hein, discutent et tout le monde va prendre place. Alors définitivement, ceux qui ont assisté à la performance des Panthères à Longueuil et dimanche dernier à Saint-Jérôme contre Princeville, ben, qui n'avaient pas été de mauvaise performance, mais ce soir, on a définitivement assisté à une équipe là, qui est revenue en force. Alors voilà, tout le monde est prêt à commencer. Benoît remporte la mise en jeu pour Grand Bay. La rondelle qui va glisser jusque profondément dans son territoire. C'est Bergeron qui se sert de la rampe. Sa passe a été interceptée par La Palme. La Palme jongle avec le disque en territoire ennemi. Tir qui a été dévié devant le filet. C'est un bâton qui m'avait semblé un peu élevé, mais on laisse jouer. On renvoie par derrière le but. C'était pour Dano. La rondelle qui glisse jusqu'à Benoît. Sa passe a été à Béliveau et il a renvoyé en territoire des Panthères. Richer passe à Dano. Dano pour Bastien. Bastien renvoie devant, c'était pour La Palme. Intervention de Major qui remet à Benoît. Benoît par la rampe, c'est pour Béliveau. C'était derrière lui et ça permet à Bastien de renvoyer à son défenseur. Jeu décousu et c'est renvoyé à Imbeau. Imbeau se présente en territoire des Panthères. Mise en échec par Richer, réussit néanmoins à renvoyer devant. C'est Terrien qui était sorti du banc qui est intervenu. Perd le disque cependant à Béliveau. Attention, Béliveau pour Benoît. Benoît de l'autre côté, c'est le but. Beau jeu là de Grand Bay. Béliveau
et Benoît qui a aperçu Imbeau qui était à l'embouchure du filet. Et il a fait dévier cette passe. Aucune chance pour Maguire et c'est l'égalité 3-3. Le but est marqué à 59 secondes. Alors, l'avance des Panthers s'est évaporée et voilà que le jeu reprend. Provencher par la rampe, renvoie en territoire de Grand Bay. Ça glisse derrière le filet. Belzile est le premier sur la rondelle. Renvoie par la rampe pour Michaud. Sa passe à lui a été coupée par Bruno. Ça revient à Michaud, à Belzile. Belzile tente une longue passe. C'était pour Bergeron, mais ça a glissé jusque derrière le but. Bergeron, cependant, vient chercher la rondelle. Le lancer, ça provenait du bâton de Graveline, ça touche un bâton et la rondelle qui se retrouve dans le filet protecteur. Alors, on reprendra la droite de Maguire. C'est le trio de paiement qui est envoyé dans la mêlée face à celui de Roy. Alors, on a chassé le centre des Panthères. Paiement va s'emparer de la mise en jeu. La paire à Roy. Le tir sur réception et tout de suite, Maguire qui capte et décide de conserver. On va reprendre à nouveau sur sa droite. La mise en jeu s'est reprise par Riopel. Abraham conserve le disque en territoire des Panthères. Paiement vient chercher cette rondelle. Par la baie vitrée, c'est coupé en défensive. Et l'attention, attaque des Panthères. Le tir qui passe à côté du but. Dadazanov récupère, passe devant et oh, quel arrêt de Dufour! Riopel qui a fait dévier et là, le gardien était prêt. Attention dans l'enclave, c'est Paiement. Paiement se débarrasse du défenseur, mais ne peut tirer. Dadazanov récupère à la ligne bleue. Dadazanov tire bloqué partiellement. La rondelle qui glisse jusque dans le coin de la patinoire. Et la rondelle qui sera récupérée par Roy, cependant, il ne peut dégager son territoire. C'est Denicourt qui s'avance. Attention! Denicourt a tenté une passe et le défenseur, là, s'était allongé de tout son long. Pour couper cette passe, c'était Fredette. Et la rondelle qui est renvoyée en territoire de Grand Bay, c'est Cavalieri qui vient chercher. Se campe derrière son filet afin d'organiser une attaque. Laisse finalement pour Major. Major, sur sa gauche, c'est remis à Cavalieri. Cavalieri prend de la vitesse, arrive en territoire des Panthères, renvoie le long de la rampe. Ce sera récupéré par Abraham, qui laisse pour sans chagrin. Sa passe a été coupée en défensive. Et là, c'est Dano qui a tenté une passe pour Bastien, mais il était bien couvert. Et la rondelle qui a glissé jusqu'en territoire de Grand Bay. Belzile derrière son filet, aux prises avec Bastien. La rondelle qui glisse en zone neutre, on bataille le long de la rampe. C'est Lapalme pour Bastien. Bastien remet sur sa droite à Dano. Dano, il va d'un tir bloqué en défensive. Va tenter de récupérer, mais c'est finalement Imbeau qui s'empare du disque. Imbeau pour Benoît. Benoît pour Imbeau à nouveau. Son tir passe à la gauche du filet. La rondelle qui va longer la clôture et glisser jusque dans le territoire des Inuks. C'est Desautels qui vient chercher dans son territoire. Il s'arrête derrière son filet. Une passe, c'était pour Matt. Matt renvoie en territoire des Panthères. Intervention de Maguire qui remet pour Léonard. Léonard qui perd à Imbeau, qui renvoie Desautels à la ligne bleue. Tire de loin et Maguire a cherché la rondelle, mais elle s'était logée dans son équipement et on va reprendre en zone de Saint-Jérôme. Alors, on chasse Provencher du cercle des mises en jeu. Les officiels ont été rapides ce soir pour demander une substitution de centre. Alors, c'est Bruno là, qui va
succédé, perd cette mise en jeu. Matt a renvoyé dans le coin. Il y a eu intervention maintenant de Provencher qui relance l'attaque. Provencher envoie cette rondelle jusqu'au gardien Dufour. Dufour par la rampe, intervention de Provencher à nouveau, qui a remis à Bruno. Bruno, dans le fond de la patinoire, c'était pour Pagé, mais la rondelle sera récupérée par Provencher. Provencher perd. Bruno, il va d'un tir de loin, bloqué par Dufour. Repris par Provencher. Son tir est à nouveau bloqué par le gardien de Granby. Bruno est le premier sur la rondelle dans le coin de la patinoire. C'est maintenant Provencher qui récupère. Bel échec avant, là, exercé par les Panthères. Finalement, il croule le long de la rampe, conserve le disque, s'en empare à nouveau. Tente une passe, c'était pour Pagé. Dufour fait des biais dans le coin. Le long de la rampe, c'est Provencher et Pagé pour les Panthères qui bataillent contre trois opposants. La rondelle qui revient à Archambault. Sa passe, cependant, est interceptée par Graveline et c'est une contre-attaque. Et là, c'est Bergeron qui s'est présenté seul devant Maguire et son tir est passé par-dessus le but. Le disque est toujours en territoire des Panthères. Michaud, le long de la rampe, renvoie derrière et Provencher, longue présence, là, qui renvoie en zone neutre. Et finalement, il y a un coup de sifflet qui se fait entendre. Il y a pénalité aux Panthères. Là. Il y a eu un homme de trop sur la patinoire. Et on devra se défendre à 4 contre 5. Alors, c'est Tristan Therrien qui va servir cette pénalité. Pénalité de banc, donc. Alors, 44-23, le nombre de tirs en faveur des Panthères, mais 3-3 à la marque. Alors, voilà qu'on a repris le jeu. C'est Roy dans le coin de la patinoire qui a renvoyé à Belzile à la ligne bleue. Tir des poignets, ça a été dévié, ça revient dans le coin de la patinoire. Roy à nouveau avec le disque. Renvoie la ligne bleue à Abraham pour Belzile. Sur sa gauche, tir. Oh, ça a touché la barre horizontale. Ça provenait du bâton de Cavalleri. Abraham, le long de la rampe, conserve toujours le disque pour Cavalleri. Renvoie devant. Le tir faible et c'est le but. Alors, le tir qui s'est rendu jusqu'au gardien des Panthères qui a donné un retour. Et bien campé devant le filet, c'est Béliveau, je pense, qui a réussi à loger le disque derrière le gardien. Et c'est maintenant 4-3 en faveur de Granby. Alors là, il y a un temps d'arrêt qui va être demandé par Pierre Bergeron. Alors, les Panthères qui s'étaient frottés à un gardien, Philippe Gaudreau de Princeville, dimanche, qui était en grande forme et qui n'a concédé qu'une seule fois, menant les siens à la victoire 2-1. Et Marc-Antoine Dufour, qui connaît toute une performance ce soir. Pourtant, ça avait été un petit peu difficile en début de match. Il a cédé à 3 reprises et avait mal paru, entre autres, sur 1 des 3 buts. Mais c'est drôlement bien repris depuis et il a tout bloqué, permettant aux siens de remonter la pente et de prendre les devants. Alors, le jeu va reprendre dans quelques secondes. Voilà, mise en jeu qui a été gagnée par Benoît. Le disque est en zone neutre. C'est Riopel pour les Panthères qui... Et là, il y a hors-jeu à la ligne bleue. Alors que Béliveau touche au disque. Alors, mise en jeu gagnée par les Panthères, c'est Archambault par la rampe, passe pour Couture qui renvoie en zone de Granby. Intervention, c'est Benoît maintenant avec la rondelle qui laisse glisser jusqu'à Maguire et celui-ci décide d'immobiliser. Pour protéger Granby.
Alors, on reprendra la droite du portier des Panthères. Alors, le disque qui revient à Major à la ligne bleue, lancé. Et encore une fois, McGuire qui capte, ne donne pas de retour. Alors, voilà qu'on est prêt à reprendre. Alors, La Palme remporte cette mise en jeu. C'est cependant un beau derrière le filet qui s'est emparé de la rondelle pour Benoît. Une passe, c'était pour Béliveau. Et contre-attaque menée par La Palme. La Palme qui s'amène du côté gauche, tente de déborder, s'arrête, cherche un coéquipier, envoie à la ligne bleue pour Lacombe, mais la rondelle qui a bondi sur son bâton et on doit revenir en zone centrale. Bastien qui rejette profondément jusqu'au gardien Dufour. Dufour laisse, c'est pour Duchesne. Duchesne, il va d'un lob, intercepté en zone centrale, mais La Palme n'a pu toucher au disque puisqu'il avait passe avec la main. Et c'est une contre-attaque. Major, dans le territoire des Panthères, renvoie profondément. Léonard qui ne peut cueillir le disque, c'est repris par Benoît. Benoît tente de centrer, sa passe ne trouve pas preneur. Et ce sera une nouvelle attaque. Paiement. Oh, il y a hors-jeu à la ligne bleue, là. Il a été devancé, je crois, par Riopelle. Et on reprendra en zone neutre. Alors, Riopelle à la mise en jeu face à Cavalleri. Cavalleri l'emporte, renvoie à Belzil derrière lui. La passe est pour Roy. Roy tente de rejeter en zone des Panthères sans succès. Sans chagrin, qui renvoie jusqu'à Denicourt, qui se met en marche. Denicourt arrive dans le territoire de Granby. Il déborde, passe derrière le filet, tente de centrer, mais c'est Cavalleri pour Granby qui récupère. Pas pour longtemps, le Terrien. C'est maintenant Riopelle avec un lancer qui passe à côté du but. Belzil tente de balayer le disque sans succès. Terrien pour paiement, mais la rondelle glisse. Et Cavalleri qui dégage la rondelle qui se rend jusqu'au banc des Panthères. On va donc recommencer dans le territoire des Inuks. Alors, le jeu reprend derrière le filet de Dufour. C'est un tir bloqué par Dufour. Et encore une fois, il n'y a pas eu de retour là-dessus. Tir qui provenait du bâton de Couture. Alors, Couture et Fredette qui se font face à la mise en jeu. Fredette l'emporte. La rondelle est reprise par Matt qui renvoie le long de la rampe. En zone centrale, c'est Lapointe qui perd cependant à Jaudouin. Jeu qui était un peu décousu. Là, c'est finalement Tatsanov qui sert de la rampe pour envoyer jusqu'en zone centrale. Ça va de Major à Vesperini. Vesperini pour Lapointe qui perd. Et ce sera une contre-attaque menée par Couture. Couture franchit la ligne bleue. Il va d'un tir de loin. Dufour fait dévier sur sa droite. Colombo qui renvoie dans le coin de la patinoire. C'est Jaudouin dans le coin. Perd à son tour à Major. Et c'est Vesperini qui sort de son territoire. Ça mène maintenant dans celui des Panthères. Renvoie derrière le filet, c'est pour la pointe. Il y a eu une chute de la Combe là, qui perd le disque à la pointe. Bergeron de la ligne bleue, il va d'un tir dévié par McGuire dans le coin de la patinoire. On renvoie devant, il n'y a personne pour récupérer. Et c'est finalement Bruno qui tente un dégagement et ça se transforme en passe pour Pagé. Pagé devant le défenseur, toujours en possession du disque. Attention pour Provencher, son tir touche un bâton, celui de Belzil et la rondelle qui se retrouve dans le filet protecteur. Alors, on reprend à la droite de Dufour, qui a été intraitable depuis le milieu de la première période.
Provencher remporte la mise en jeu, mais la rondelle qui demeure immobile un instant. C'est lui, le Provencher, qui récupère. Père, beau jeu défensif, là, c'était de Graveline. Richer, devant, c'était pour Bruno, n'a pu faire dévier la rondelle. On tente un dégagement, ça demeure en territoire de Granby, mais pas pour longtemps. Et là, c'est Bruno qui s'empare de la rondelle. Il va d'un tir qui passe à la gauche du filet. Bergeron pour Belzile qui renvoie au centre. Le jeu qui s'anime un peu, plus physique soudainement. Belzile contourne son filet, a remis à Bergeron. Une passe qui a été interceptée. C'est maintenant Dano, mais la rondelle a glissé sur son bâton et il n'a pu poursuivre l'attaque. Le tir qui va se retrouver en territoire des Panthères. Richer qui vient le cueillir derrière son filet. Passe par la rampe pour Dano. Longue passe, c'était pour Bastien, mais il avait changé de position et ça s'est retrouvé sur le bâton de Major. La Palme qui tente d'organiser une attaque. Laisse à Dano et à La Palme à nouveau. La Palme, son tir faible, récupéré par Dufour et celui-ci immobilise encore une fois. Moins de 10 minutes à faire à cette troisième. 4 à 3 toujours pour les Inuks. Alors, à la mise en jeu, c'est récupéré par Imbeau qui s'élance. Tente une passe pour Béliveau. La rondelle qui glisse jusqu'à McGuire et celui-ci ne prend aucune chance et décide de conserver sous sa mitaine. L'entraîneur Bergeron renvoie le trio de paiement. Riopel et Terrien. Alors, c'est une sortie de zone. Terrien, il va d'une passe pour Paiement. Paiement allonge la bande. Tente de centrer pour Terrien. Il était bien surveillé cependant et la rondelle qui faiblement glisse jusqu'à Dufour et... Comme il l'a fait toute la soirée, il ne prend aucune chance, décide d'immobiliser. Changement de trio du côté de Granby. On renvoie l'unité composée de Abraham, Roy et Cavalleri. Riopel. Père pied à la mise en jeu et il y aura pénalité, je pense. Oui, c'est ça. Alors, voilà une chance inouïe pour les Panthères. Là. Roy qui sera chassé. Alors, Roy à la mise au jeu, lorsqu'il a vu son rival vouloir s'élancer sur la rondelle, lui a fait sauter les patins. Et il se retrouve au cachot pour les prochaines 2 minutes. Alors, l'attaque à 5 des Panthères qui a marqué dès sa première occasion ce soir. Alors, remise en jeu à la gauche de Dufour. C'est Couture qui va s'emparer de la mise en jeu. Terrien a remis derrière pour Paiement. À Denicourt à Paiement. Paiement, de l'autre côté, ça passe. C'était pour Riopel, était légèrement trop longue. Derrière le filet, c'est récupéré par Couture qui renvoie à la ligne bleue. Denicourt avec le disque pour Paiement. Et à Denicourt à nouveau. Denicourt, il va d'un lancer, ça passe par-dessus le filet. C'est Major qui récupère. Major tente un dégagement, ça a été partiellement coupé par... Et attention, là, ce sera l'échappé! Et finalement, Michaud qui s'est échappé, mais il a été contré, n'a pu prendre de tir. Cependant, Granby conserve le contrôle du disque. C'est Sans Chagrin qui décide finalement de renvoyer profondément en territoire des Panthères. Et on apporte des changements du côté de Saint-Jérôme. La passe de Terrien a été coupée. Et là, c'est Fredette qui s'empare de la rondelle. Une passe pour Benoît. Benoît s'avance seul et compte! Alors, mauvais jeu là, en zone défensive. Et alors qu'ils sont en infériorité numérique, Granby qui marque un 5e but. Et c'est 5 à 3. Alors, toujours 1 minute à faire à la pénalité. Nicolas Roy
Alors, tout n'est pas perdu, évidemment, pour les Panthères. Alors, c'est La Palme qui s'empare de la rondelle. On a perdu le disque et c'est repris par Dadazanov qui installe l'offensive en zone adverse. Dadazanov laisse à Léonard pour La Palme. On renvoie Léonard à la ligne bleue. À La Palme à nouveau. À l'embouchure du filet, Dano qui n'a pu convertir. On remet encore à La Palme. La Palme du cercle des mises en jeu. Son tir a touché un joueur des Panthères devant le filet. Dadazanov pour La Palme. Et encore une fois, la pointe pour Dadazanov. Et à La Palme. On tente de centrer, c'était pour Provencher, mais le disque qui a glissé, c'est Dadazanov maintenant pour La Palme. Tir sur réception, bloqué par Dufour. Le retour, Dano. Et encore une fois, Dufour qui bloque. La Palme renvoie à la ligne bleue pour Dadazanov. Et là, il a voulu se débarrasser de Fredette et ce faisant, ben, la rondelle quitte le territoire et la pénalité se termine là-dessus. 7 minutes 15 à faire. Passe qui est ratée, c'est Major qui récupère pour Grand Bay à Belleville. Perd le 10 dans son territoire et c'est le but! Jacob Bruno qui a profité d'une bévue là, de Belleville. S'est emparé du disque, qui a été d'un tir rapide et Dufour n'a pu résister là-dessus et c'est 5 à 4. Alors, les Panthères, donc, qui réduisent la marque à un seul but. Et... voyons voir là, si ça va provoquer une étincelle. Alors, le jeu a repris, c'est Major par la rampe. C'était pour Michaud qui glisse en territoire des Panthères. Couture vient chercher la rondelle. Bruno quitte son territoire alors qu'il reçoit une mise en échec de Michaud qui est mise à son tour en échec là, solidement par Lacombe. Et là, c'est Bruno à nouveau à un contre un. Tir qui touche un bâton, celui de Matt et la rondelle qui s'en va en dehors de l'enceinte. Et on va donc recommencer en territoire de Grand Bay. Alors, 6 minutes 40 à faire à la troisième. Un seul but d'écart, c'est 5 à 4 en faveur de Grand Bay. Gatineau devance toujours Terrebonne 3 à 1. C'est 7 à 3 pour Longueuil devant Saint-Gabriel. Et la Côte-Sud a causé une certaine surprise, battant Princeville 5 à 2. Alors, dans le territoire de Grand Bay, la rondelle qui glisse le long de la rampe, intervention de Denis Court qui renvoie profondément. Calombo qui tente, qui renvoie devant. Oh! Bel arrêt là, de Dufour sur ce lancer qui promenait du bâton de Riopelle de l'enclave. Riopelle à la ligne bleue. Toujours en possession de la rondelle. Tente un tir, ça a été bloqué par Benoît en défensive et c'est celui-ci qui s'envole avec le disque. Benoît arrive en territoire des Panthères pour Imbeault. Imbeault pour Benoît, mais c'était légèrement trop long, sans quoi il aurait pu marquer pour les siens. Contre-attaque. Attention, c'est Riopelle qui tente de renvoyer devant, mais n'y est pas parvenu. Et là, il y a Dufour qui a fait une chute. Là. Je sais pas, j'ai pas vu ce qui s'est produit. Paiement maintenant. Une passe pour Riopelle, c'était devant lui et Riopelle sera cependant le premier sur le 10, donc il n'y a pas de dégagement. Tente de renvoyer devant. Et là, il y a eu une solide mise en échec. Riopelle en a perdu son casque. Lacombe, fin de lancer. Le tir passe par-dessus le filet. C'est repris par Richer. Richer rate complètement son tir. La rondelle est devant le filet, mais elle est. Et finalement, Imbeault s'empare de la rondelle pour Grand Bay. C'est passé près encore une fois. Imbeault toujours. Maille à partir avec La Palme. Renvoyé de l'autre côté pour Major. Et la rondelle qui glisse le long de la rampe, c'est récupéré par Cavalleri. Cavalleri dans son territoire. Franchit sa ligne bleue. Arrive au centre. Perd le disque. C'est repris par Dano. Dano laisse derrière pour La Palme. La Palme en territoire de Grand Bay. Toujours le long de la rampe. Il travaille avec le disque. Renvoie dans le coin de la patinoire. Ça revient à Dano. Dano perd. Intervention de Richer qui ne parvient pas à conserver le disque et finalement c'est reçu par Lacombe à Richer pour Jaudoin. Jaudoin renvoie derrière dans son territoire. À nouveau une passe pour Jaudoin. Jaudoin, il a été poussé par Cavalleri, il n'y a pas de pénalité là-dessus. La Palme récupère dans le coin. La Palme tente de se débarrasser de Major.
a toujours possession du disque. La Palme toujours, qui tricote. Renvoie dans l'enclave pour Jaudouin, mais il n'a pu prendre un tir. Et c'est Abraham qui quitte son territoire. Abraham renvoie profondément jusqu'au gardien Maguire qui laisse pour Richer. Nouvelle attaque, c'est Denicourt. Sa passe a été coupée par Abraham, récupérée cependant par Bruno. Bruno est mis en échec. Et c'est un dégagement qui sera accepté. Michaud est le premier sur le disque. Et là, il y aura pénalité à Grand Bay. On a fait trébucher, là, et voilà. 3 minutes 46 à faire et les Panthers qui profiteront de l'avantage numérique. Alors, une seule réussite pour les Panthers en avantage numérique depuis le début du match. Alors, c'est Abraham là, qui est chassé. Alors, Provencher, Dano, Lapalme, Dadadzanov et Denicourt font partie de cette première salve d'attaque pour les Panthers. Lapalme gagne la mise en jeu. La rondelle est renvoyée à Denicourt. C'est Dano maintenant. Dano dans le coin pour Lapalme. Lapalme à la ligne bleue à Denicourt. Fin de lancer pour Lapalme. Il s'avance dans le cercle des mises en jeu. Tir bloqué par la mitaine de Dufour. Le disque est finalement renvoyé en zone centrale et balayé jusque derrière Maguire. Alors, on s'organise du côté de Saint-Jérôme. Denicourt se défait de Roy. A remis à Dadadzanov sur sa gauche qui entre en territoire ennemi. Dadadzanov dans le coin de la patinoire. Renvoie derrière à la ligne bleue, c'est Denicourt. Pour Lapalme et à Denicourt à nouveau. Et à Lapalme. Lapalme et Denicourt s'échangent encore le disque. Ça revient à Lapalme pour Dadadzanov. À la ligne bleue, c'est Denicourt. Tir de loin qui était plutôt une passe. C'est récupéré par Dano. Et oh, sa passe est coupée par Cavalleri là, qui s'envole. Avec Roy sur sa gauche, Cavalleri va d'un tir bloqué par Maguire. Retour récupéré par Provencher. Et là, la rondelle a touché l'officiel. Et finalement, c'est Lapalme qui vient chercher, renvoie derrière son filet. 40 secondes à la pénalité, mais Benoît est le premier pour Grand Bay à aller chercher cette rondelle. Et là, c'est Roy qui tentait une incursion devant le filet. Bon, contre-attaque, c'est paiement. Et là, il y aura une autre pénalité à Grand Bay. On a cinglé. Maguire rentre au banc des siens. Et là, il y a eu une mise en échec que je n'ai pas vue parce que la rondelle se transportait en zone des Panthers. Et je pense que c'est Colombo qui est venu mettre en échec Benoît. Alors, il y a une pénalité qui a été appelée à Grand Bay. Et voyons voir là si ça va se limiter à ce qui avait été appelé en premier. Je pense que oui. Alors, 20 secondes à la pénalité à Abraham. Un paiement également est envoyé au banc des punitions. Donc, ça va probablement... Alors, évidemment, on va voir au tableau les pénalités, mais j'imagine que le geste de paiement va annuler l'avantage numérique qui aurait été double. Alors, 2 minutes 6 à faire. Alors, c'est ça. Ce sont des pénalités mineures doubles. Et il y a un temps d'arrêt qui est demandé par Grand Bay. Alors, Jacob Bruno a marqué le quatrième but des siens à 12:54 sans aide. C'est son deuxième du match. Alors, l'entraîneur Bergeron qui a dessiné un jeu là, pour ses équipiers. Alors, Denicourt, Lacombe, Lapalme, Dadadzanov et Riopel sont envoyés dans la mêlée par Bergeron. Lapalme se chargera de la mise en jeu. Il fera face à Fredette. Alors, mise en jeu gagnée par Grand Bay.
Et c'est un dégagement qui sera complet, ce qui permettra d'égrener les dernières secondes à cette pénalité, le temps d'une attaque rapide peut-être. Zatadzanov passe, c'était pour Riopelle, c'était un peu long, c'est récupéré par Lacombe. Lacombe s'installe profondément en zone de Granby. On a retiré le gardien pour les Panthères. Dano est envoyé dans la mêlée. Riopelle devant et on a tenté de faire dévier une mêlée et le tir! Oh! Et là, le filet qui a été déplacé alors que il y avait 7 ou 8 joueurs là, devant le gardien du four. Alors, il reste 1 minute 33 au cadran. Avec un pointage de 5 à 4 en faveur de Granby. Alors, on reprendra la droite de Dufour. C'est Lapalme qui se chargera de la mise en jeu pour Saint-Jérôme. Il sera opposé à Nicolas Roy. Et à nouveau, un temps d'arrêt qui a été demandé. Alors voilà, les 6 mêmes joueurs sont renvoyés dans la mêlée. Non, il y a Lacombe qui fait partie du lot maintenant. Alors Riopelme, Lapalme, Dano, Zatadzanov, Lacombe et Denicourt qui chercheront à inscrire un 5e but dans cette dernière minute et demie à jouer. Alors, le disque qui reste immobile un instant, c'est Zatadzanov qui le reçoit finalement à la ligne bleue. Renvoi dans le coin, c'était pour Riopelle, la rondelle qui glisse jusqu'à Lapalme. Renvoi par la clôture, c'est pour Lacombe. Roy intervient pour Granby. Abraham passe pour Cavalleri. Et là, c'est Roy qui s'empare de la rondelle. Attention, il y a un filet désert. Le tir et il marque le 6e des siens. Et ça pourrait clore le cercueil des Panthères pour ce soir. C'est 6 à 4. Alors, McGuire va évidemment regagner son filet. Alors, 57 lancés par les Panthères contre 30. Mais encore une fois, on s'est frotté à un gardien qui était en grande forme et il a définitivement gardé les siens dans le match. Imbeau, à la mise en jeu, il va d'un tir de loin qui se rend jusqu'à McGuire. Bruno, qui a marqué 2 buts ce soir, il va d'une passe pour Provencher. Provencher perd et c'est Imbeau qui renvoie pour Béliveau. Béliveau se fait bloquer le chemin par Richer. Les deux batailles pour la possession du disque, ce sera repris par Provencher qui perd dans le coin et reprend. Provencher devant pour Bruno. Bruno a tenté une passe pour Pagé. C'est passé par-dessus son bâton et là, c'est récupéré par Imbeau. À 2-1 avec Béliveau. Belle intervention ici pour couper la passe. Et ce sera une contre-attaque menée par Pagé. Pagé pour Bruno. Bruno, sa passe est coupée par Sans Chagrin. Zatadzanov récupère. Il va d'un tir qui passe tout juste à la droite du but. Graveline vient chercher la rondelle dans son territoire. Le long de la rampe pour Imbeau. Imbeau à Major. On s'échange le disque. Le Major qui renvoie dans le territoire des Panthères alors qu'il ne reste que 10 secondes à faire. Pagé. De loin, un tir capté au vol par Dufour qui renvoie dans le coin de la patinoire. Jaudoin vient le chercher. Et c'est là-dessus que prend fin cette partie. Défaite des Panthères par le pointage de 6 à 4. Alors, encore une fois, les Panthères qui avaient entamé le match en Lyon et qui ont outrageusement dominé au chapitre des tirs au but avec 57 contre 30. Mais la marque importante, évidemment, c'est celle au pointage et ce sont les Inuits qui en sortent vainqueurs. Alors, nous vous remercions d'avoir été des nôtres et on vous donne rendez-vous vendredi prochain avec une prochaine présentation d'un match des Panthères sur la route. D'ici là, portez-vous bien et merci d'avoir été des nôtres.